Bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ajouter le bouton s'abonner sur votre page Facebook ou le bouton suivre? Donc c'est le but de cette vidéo, quand vous voyez cela sur ma page, c'est ça. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment ajouter le bouton s'abonner sur votre page. Et si vous avez encore besoin de plus de vidéos pour savoir comment booster votre page pour avoir plus d'abonnés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Comme ma page, comme vous l'avez bien vu, je l'ai créée le 17 août 2022. Aujourd'hui, nous sommes au 17 septembre 2022, ce qui fait déjà un mois et j'ai déjà 27 cas. Pas de panique, je vais vous montrer comment cela se fait. Et juste à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre le bouton s'abonner sur votre page. Une fois sur l'interface de votre téléphone, comme ceci, nous allons aller sur l'application Facebook. Une fois, vous cliquez sur l'application Facebook. Et on va un peu patienter, l'application apparaît et pour que l'application s'ouvre. Une fois lorsque l'application s'ouvre, vous cliquez dans les paramètres ou dans les trois traits à droite ou ici pour faire apparaître votre page. Là, je clique et ma page apparaît comme suit. Et comme j'ai plusieurs pages ici, je clique sur la principale. Je clique sur la page. Une fois la page apparaît comme suit, vous voyez chez moi, c'est recevoir plus de messages. Je vous invite à vous abonner avant de continuer par regarder cette vidéo. Je vais vous montrer mes nombres d'abonnés sur ma page et ensuite après vous montrer quel jour j'ai créé ma page. Une fois sur l'interface ici de ma page, comme vous, que voici, j'ai 27 024 j'aime. Donc je vais rentrer précisément vous montrer cela. Ok, je vais ici, je clique sur voir plus. Ça fait ici 27 025 j'aime et 27 031 followers qui veut dire abonnés. Donc je vais rentrer dans transparence pour vous montrer et quel jour j'ai créé effectivement ma page pour ne pas vous flatter. Et ici, lorsque la page apparaît, ça fait ici, vous voyez bien, le 17 août 2022, j'ai créé cette page. Et elle a déjà 27 cas. Donc vous voyez que c'est en un rien de temps, quelques mois seulement. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Il suffit juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos à venir. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif de notre vidéo. Donc, du nouveau maintenant sur la page, je vais vous montrer bien. Chez moi, le bouton, c'est recevoir plus de messages ou envoyer un message. Comme vous voyez cela ici. Donc, je vais vous montrer la procédure plus simple pour ajouter le bouton s'abonner. Vous cliquez tout juste sur plus en haut. Lorsque vous cliquez sur plus, ça apparaît ainsi. Lorsque ça apparaît, vous cliquez sur modèle et onglet. Lorsqu'on clique sur modèle et onglet, ça apparaît ainsi. Et vous cliquez sur modifier. Lorsque vous cliquez sur modifier, vous descendez tout juste en bas. Là, on écrit page et vidéo. On descend. Oh, ici, vous cliquez ici. Et vous cliquez sur voir plus de détails. Lorsque ça apparaît ainsi, vous allez cliquer sur appliquer le modèle. Vous cliquez sur appliquer le modèle. Et lorsque ça apparaît, vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer tout cela. Et vous allez un peu sortir pour retourner sur la page. Et lorsque vous retournez sur la page, sur votre page, vous allez un peu rafraîchir la page. Elle apparaît ici. Le bouton suivre est apparu. Donc on va cliquer ici, voir en tant que. Lorsque vous cliquez là, vous allez voir que ma page est comme ceci, qui a commis déjà 27 cas. Et en bas, on a cliqué suivre. Donc c'est ça le but de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo massivement. Donc on se dit à plus pour une autre vidéo.